Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femme et paix, femme et foyer. Femme, au cœur du développement économique et social, à vous la parole. Ce programme est de Chef Recommand Grand sur financement de la GIZ, commissionné par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Aimables auditrices et auditeurs, merci de votre fidélité et bienvenue dans votre magazine Sissi Aminata. Le 21 septembre de chaque année, l'humanité célèbre à travers le monde la Journée internationale de la paix. Cette journée a été déclarée par l'Assemblée nationale des Nations Unies en vue de renforcer l'idéal de paix tant au sein des pays qu'entre les pays eux-mêmes. Ensemble pour la paix, respect, dignité et sécurité pour tous est le thème retenu cette année en Guinée. Et pourtant, cette journée internationale intervient au moment où la région de Boké a connu des remous sociaux, des manifestations très violentes qui ont conduit à la mort de deux personnes, faisant par la même occasion des dégâts matériels importants. Nous en parlerons tout au long de cette émission. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans votre magazine Sissi Aminata. Un peuple uni, une nation qui sourit, loin des conflits, pour relever de nouveaux défis dans la démocratie. La paix, un petit mot mais qui a une importance capitale, car sans elle, aucun développement durable n'est possible. Elle n'implique pas l'absence de conflits, mais une résolution systématique calme et mesurée de toute difficulté conséquente à la vie en communauté, principalement par le dialogue. En Guinée, cette paix est par endroits menacée à cause non seulement de certaines considérations politiques ethniques, mais aussi d'ordre social comme cela a été le cas récemment à Boké. Cette région minière par excellence de la Basse-Guinée est devenue depuis un bon moment une zone de tension à cause des manifestations à répétition des populations qui réclament l'amélioration de leurs conditions de vie. Suivez le cri de cœur de ces quelques femmes que nous avons rencontrées dans ce micro-trottoir. Di société na kanyi ke kafi di so mo ka ta ko e mo na ko tete da ba de mo ta mbe di ta ko mo ka kire bara kana mo ka tere bara kana e na ga mo ko be école ti mo ko be mo école ti e na ga mo ko be e labitane ti mo ko be mo labitane ti e na ga fala mo ko be e mosquée da fala mo ka salide e mo me ani da fala Allah mato mo ka sega ba fili na kan ku e bara na fili bi din kana ka mo wa sega ko mato fo mo ko ba yi masa mo ko giri e konta fili ma yati bato na ma fa wo faka mo ko me kantre yo ko dum mo ka di me to na be ta ku naranso walide namo kike keren filin wali me barnala do anunto mo fanto na be mo ka kritiku to gi society nanna mo dare ke yaka suku nanna ba baraka na mo nyira awa kan ko marsu society timbereno kono heringe fe dugula pompin ipo yino pora fum ngankete du munmo maitre mo gomere karanyamo alek ngon so society lernde apo karanga wut sese sina sun toro tora ta iso itosi konta filika itosi no komi waata waajade rewbe ben fiino uttum utta be daranaade en e boke ko en jogondir yidindire wallindire si goto woni e go sengodo en fo tambito doymo fi no holliraahi mo waawi wadde golle de donc ko dun dommi waawata wowlude fi en rewbe ben e pi rewbe ben kadi ko honno kadi gerde ten ko e wakkilo kadi burtugol battagol be ngure men den wakilo den fi faybe ben bay paykun ko nene e baba paykun ko burata heditaade tigiti ko nene jo donc enen nene be ben ko e wakilo walle modi be men ben fi no faybe ben ne ora. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. La paix n'est pas un vain mot mais un comportement. C'est pourquoi elle doit se matérialiser dans notre façon de faire et de nous comporter vis-à-vis les uns des autres. Pour Mme Aïcha Mbob Kamara, citoyenne de Boké, la non-prise en compte des besoins des communautés par les autorités et les entreprises minières est la principale cause des émeutes à répétition qui secouent la région de Boké. Je vous invite à suivre notre entretien. Madame, pourquoi il y a souvent les violences à Boké, les manifestations?
les manifestations pour quand on fait à Boké, parce qu'on est mécontente. Premièrement, on n'avait pas de lumière à Boké. Avec toutes les sociétés qu'on a à Boké ici, là, nous souffrons. La lumière, c'est de 19h à 1h du matin. On ne peut pas, à tout moment, vraiment, on a des soucis. Tu vas à Kamsar, tu vois de 24h à 24h. À Sangaredi, c'est la même chose. Boké, qui est la préfecture, vraiment, on ne voit rien. Nos enfants sont là. Ils n'ont pas d'emploi. On ne peut pas voir des enfants comme ça, là, abandonnés comme ça, là, alors que nous, nous sommes natifs de Boké. On les voit chômer comme ça, là, sans travail. On envoie les gens de Kissidougou, de Zérékoré, de Sigirim partout pour les employer ici. Pourquoi pas les gens de Boké? Nous souffrons. Au marché, ce qu'on a acheté avant, à 50 francs. Aujourd'hui, comme il y a les sociétés là, sont là, tu vois à 5 000, à 10 000, à 15 000, la charité à tout moment. Maintenant, là, si tu vois des choses comme ça, là, est-ce que tu es contente ou bien pas? Tu vas vraiment t'énerver, vraiment faire des violences et autre chose. Donc, ça veut dire que l'arrivée de ces sociétés n'a pas amélioré la vie des citoyens? N'a pas amélioré du tout. C'est la souffrance. Vraiment, on peut pas, on ne sait pas comment expliquer les choses. Et vous, les femmes, quelles sont aujourd'hui les difficultés auxquelles vous êtes confrontées avec l'arrivée de ces sociétés? Vraiment, la vie est chère. C'est très cher. On ne peut pas s'expliquer. Parce qu'il faut acheter le riz au marché, la viande, le poisson, tout ça là tu achètes. Ce que tu achetais avant à 500 francs, aujourd'hui tu vois à 5 000, à 10 000. Est-ce que tu seras contente avec ça? Pas du tout. Est-ce que ces sociétés-là ont initié des activités pour accompagner les femmes, appuyer les femmes, par exemple dans le développement des activités génératrices de revenus? Pas du tout. Jusqu'à présent, moi je n'ai pas vu ça, je ne l'ai pas entendu. Donc la société ne fait rien pour les femmes? La société ne fait rien pour les femmes. Au potable, nous souffrons. Tu peux voir ici, jusqu'à une semaine, il n'y a pas d'eau. Mais là, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la paix revienne à Boké? Ce qu'il faut pour que la paix revienne à Boké, s'il y a la lumière, nos enfants travaillent et il y a l'eau. Vraiment, on est très contente. La charité aussi, ça diminue. Les sociétés nous aident. La CBG aussi, la même chose. Vraiment, Boké est en paix. On comprend un peu la frustration des populations de Boké par rapport à leurs conditions de vie. Mais est-ce que vous pensez que la violence est la solution? La violence n'est pas la solution. Mais quelquefois, il faut se défouler pour que les gens se sachent que vraiment tu souffres. Mais là, quel message vous avez aujourd'hui pour les compagnies et les autorités par rapport à votre condition de vie? Il faut leur dire de nous aider. Vraiment, nous souffrons à Boké. On est natifs d'ici et nous souffrons. C'est les étrangers qui sont là qui en bénéficient. Est-ce que quand il y a manifestation, vous les femmes, par exemple, vous calmez vos jeunes pour ne pas qu'ils aient casse tout? On les calme, on les appelle, on appelle nos enfants pour ne pas qu'ils fassent des choses qui ne sont pas bien. Mais tu vois, c'est pas tous les enfants que tu peux calmer. Maintenant, un dernier message pour les femmes de Boké. Les femmes de Boké, on n'a qu'à s'unir. On se met main dans la main. Vraiment, Boké va marcher. Si on voit quelque chose qui n'est pas bien, on se réunit pour dire que ça, c'est pas bon. Prenons ça, faisons ça. Vraiment, ça ira. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Place à présent à notre rubrique La vedette du jour. Aujourd'hui, nous avons pour invité Mme Soare Bintou Kouyaté. Elle est la présidente de l'ONG Appui à la promotion du développement intégré APRODI et membre de la plateforme de gouvernance des ressources naturelles en Guinée. Découvrons-la ensemble. Madame, je le disais à l'entame de cette émission, la Journée internationale de la paix intervient cette année sous fond de crise en Guinée à cause des violences dans la région de Boké. Quelle est aujourd'hui votre perception par rapport à toutes ces émeutes à répétition dans cette région? Ma perception est très simple. Moi, je me dis, l'État doit écouter sa population. Si on doit exploiter ses ressources, la moindre des choses, moi, je pense que c'est d'initier ces populations à la concertation, à la conception des projets pour que leur voix soit prise en compte surtout et que ça porte et que la transparence commence à partir de là. La moindre des choses, quand la population réclame une fois, deux fois l'eau et l'électricité, la moindre des choses que l'État prenne sur lui le courage d'investir dans ce sens-là pour au moins soulager. Mais ni l'emploi, ni l'eau, ni l'électricité, ni infrastructure, rien, ni appui au moins des activités génératrices de revenus. Quelles sont les pistes de solutions que vous vous proposez pour pallier à ces genres de conflits dans les zones minières? D'abord, il faut que les revendications soient respectées, les engagements soient respectés. Il faut que tous les acteurs se mettent ensemble, madame, qu'on en discute et qu'on trouve des pistes de solutions dans ce cadre de concertation pour qu'on sorte vraiment carrément de cette récurrence de frustration non seulement, mais aussi de soulèvement. Mais est-ce que vous pensez que la violence
c'est la solution. Pas du tout. C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, on a devoir, et État et société civile, de former les jeunes et les femmes à la citoyenneté. C'est très important. On voit dans les autres pays, on ne fait pas de casse. C'est en Afrique qu'on fait des casse. Et pas partout en Afrique. Il y a des pays civilisés en Afrique, là où les gens font leurs manifestations avec banderoles, ils ne sont pas inquiétés par l'armée. Ils ne sont pas tirés dessus. Madame, nous allons parler un peu de vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur votre parcours? Je suis un fruit de l'Institut agronomique de Falana. Je suis ingénieur agronome. J'ai commencé le développement communautaire depuis 1991 dans le programme de restauration des bassins versants du Haut-Niger. Et j'étais animatrice à Daboula. Et donc depuis 1991, je suis vraiment dans le développement communautaire et j'ai fait des projets en tant que consultante indépendante. J'ai travaillé dans l'hydraulique, j'ai travaillé dans la santé, j'ai travaillé dans la foresterie. Et avec toute cette panoplie d'expériences, je me suis engagé avec, à l'époque, des collaborateurs à créer cette ONG qui s'appelle Appui à la promotion du développement intégré, dont je suis la présidente. Au vu de votre parcours, quelle expérience vous pouvez partager avec vos sœurs qui vous écoutent à travers cette émission? L'expérience que je peux partager, c'est la persévérance, la confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Ne pas courir après l'argent ou les postes. Moi, j'ai une philosophie, c'est Dieu qui m'a créé, mon destin me guide, je reste derrière mon destin, je forge en même temps mon destin. Donc que mes sœurs, mes filles suivent leur destin en même temps, en modélant au fur et à mesure ce destin-là. Avoir le courage de s'affirmer, il faut qu'on s'affirme. Dans tout parcours, il y a des difficultés, quelles ont été les vôtres? Bon, les difficultés, généralement, il n'est pas facile des fois de trouver les projets. Il n'est pas facile que les petites ONG en Guinée soient vues, parce que quand vous acceptez de rentrer, par exemple, dans une plateforme ou dans un réseau, les plus grandes ONG vous piétinent. Les bailleurs de fonds, généralement, on dirait qu'ils ont chacun un cercle d'ONG qui ont la chance d'avoir des projets, mais les autres, non. Et être une femme, est-ce que ça a été un handicap pour vous de percer dans ce domaine? Pas du tout. Je suis femme au foyer, mais ça n'entrave en rien. Ni ma vie de foyer, ni ma vie associative. Et comment vous faites pour concilier les deux choses? Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants avec moi. Dieu m'a donné une fille unique. Mais quand vous arrivez chez moi, vous ne saurez pas qui n'est pas mon enfant, qui l'est. Donc, il y a que l'encadrement de ces enfants m'ont permis de me programmer, de me planifier. Quelle est votre plus grande réussite dans la vie? Ben, je tiens le coup. Pour moi, c'est ma grande réussite. Je tiens le coup malgré les difficultés que je rencontre dans la vie. Je réussis à transcender ces difficultés et je refuse qu'on me piétine et qu'on me laisse derrière quand je suis dans un groupe, non. Et si on vous demandait de résumer votre personnalité en trois mots, qu'est-ce qu'on peut retenir? Intégrité, pertinence. Moi, je pense que je suis sobre dans ma façon de travailler ou de voir les choses. Quel message vous avez aujourd'hui à donner à vos sœurs qui vous écoutent? À mes sœurs et à mes filles et à mes copines, je voudrais que l'on sache que la vie de ce pays là est dans nos mains. Ce sont les femmes qui peuvent sauver ce pays en s'investissant dans tous les domaines socio-économiques de notre pays. Dans tous les secteurs, les femmes sont au devant. Qu'est-ce qui nous empêche de sortir ce pays de l'ornière? Mais il faut que ceux qui sont nos aînés acceptent de laisser la place à nous les jeunes. Parce que dans la vie, c'est une question de génération. Je fais un appel à nos aînés pour qu'elles nous ouvrent la porte et qu'on puisse vraiment être un jour comme elles. Pour finir, madame, vous avez sûrement un dernier message pour les populations de Boké par rapport à la paix. Moi, le premier message, c'est le calme. C'est-à-dire que rien ne peut se régler dans le brouhaha. C'est le tour de table, quel que soit le temps que ça va prendre, c'est ce qui va résoudre les problèmes. Pour que des activités de sensibilisation, de formation soient vraiment planifiées et que ça soit réalisé à court terme. Pour expliquer à ces gens réellement ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas la façon. Il faut qu'ils changent de méthode pour éviter les casses. La deuxième chose que j'ai à lancer à l'endroit de cette crise à Boké, je voudrais que les sages de Boké, leur ancien élan de résolution des conflits à Boké pour maintenir la cohésion sociale à Boké, je voudrais qu'ils se remettent ensemble, qu'ils oublient toutes les considérations et qu'ils voient ce qu'ils avaient l'habitude de regarder, qu'ils voient ça en face et qu'ils continuent à lutter pour la cohésion sociale à Boké. Chers auditrices et auditeurs, ainsi s'achève votre émission Sissi Aminata. Le conflit est naturel dans une société car il apporte le changement. Le plus important est de savoir le gérer sans tenir compte des intérêts personnels, mais en pensant plutôt à la stabilité et à l'intérêt supérieur de la nation. Nous devons donc tous œuvrer pour la préservation de la paix dans nos communautés. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes!
À vous la parole. Ce programme est de Chef Recommand Grand sur financement de la GIZ, commissionné par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.